j'ai ce sentiment, croyez-moi. Vers où maintenant? Le haut? Oui, nous touchons au but. Priscilla, quel est son état? Soyez franc, épargnez-moi les euphémismes. Ses blessures guériront. C'est sa voix qui m'inquiète le plus. Oh, vous yo. Imaginez certainement quel coup terrible ce serait pour une barde. Oh, de quoi putain. Lui ôter toute envie de vivre. Il existe un remède? Je crains que seul votre ami Jasquier soit en mesure de l'aider. Ah, mais c'est une blague. Non, mais quel enculé qui a fait ça, quoi. Surtout une barde, comme il dit, tu vois, genre, la fille s'envoie, elle fait quoi après? Grimper à l'échelle. Il m'amène pas dans un coup fumé, lui? Nous y voilà. Venez, il faut en finir au plus vite. Pourquoi? Vous êtes attendu? Quelqu'un pourrait nous déranger. Le légiste, par exemple. Ou le révérend Nathaniel Bastogne. Bien. Le corps qui nous intéresse est celui d'un homicide. Au travail. Humain. Mauvaise pioche. Il a dit quoi comme corps qui nous intéresse? J'ai pas entendu, putain. C'est un humain, ça aussi, c'est une mauvaise pioche. Apparemment, celui-ci est tombé sur des micros. Faudrait qu'on se dépêche. Ce n'est pas le bon. Humain, mauvaise pioche. Continuons à chercher. Calleuse, sûre dans la barbe, vêtements tachés de résine, on tient le bon nain. Excellent. La vue du sang ne vous fait pas défaillir, je suppose. Pas vraiment. Commencez l'autopsie. Par quoi? Inspectons ces parties génitales. Je doute fort qu'elles entrent en ligne de compte. On verra bien. Baissez son pantalon. Peste! Syphilis, plutôt. Stade préliminaire. Aucun signe de propagation. Pourrait-il exister un lien avec... Uniquement au niveau du mobile du tueur. Quelque chose d'intéressant sur les jambes? Le pied droit. Cheville enflée, ongles cassés. Il a visiblement flanqué un coup de pied à tout casser. Avant de casser sa pipe. Le moment est mal choisi pour plaisanter. Désolé. Nous autres chirurgiens jouissons d'une sensibilité différente. Et d'un sens de l'humour différent aussi. Regardez ses mains. Ces traces, causées par une corde, non? On l'a attaché. Logique. Impossible d'endurer pareille torture sans être immobilisé. Vous parlez d'expérience? Oui, en tant que victime. J'ai croupi un an dans les geôles de Tretogor. C'est une longue histoire. Une autre fois, peut-être. Vous voyez ce Durion? Notre ami nain portait un anneau. Quelqu'un le lui a pris. Examinons son torse. Qu'avons-nous là? Profonde incision sur le côté gauche de la cage thoracique. Et cicatrices au niveau de l'estomac. Examinons la tête. Les cheveux sentent le roussi, comme s'ils avaient brûlé. Rien d'autre ne vous frappe? Et les yeux arrachés, par exemple? Ce sont bien des traces de brûlure dans les orbites. Oui. Et une poussière grise. De la cendre, dirait-on. Très fine. L'assassin lui arrache les yeux, puis place un charbon ardent dans chaque orbite. On dirait bien. D'après les blessures, notre menuisier nain vivait encore quand c'est arrivé. Examinons son torse. Qu'avons-nous? Voyons cette incision. Oui,
Quelqu'un a extrait son cœur, puis cautérisé la plaie. Une minute, il y a autre chose. Je déteste ça. Un œuf d'amphibien, de salamandre peut-être. Roussi, mais intact. Étudiant, j'ai assisté à une conférence sur l'herpétologie. Je n'ai pas souvenir d'amphibiens qui pondent dans les cadavres. Soit le professeur Cochrane s'est fourvoyé, soit c'est l'œuvre de notre assassin. Regardez cette cicatrice. Longue et fine, comme une incision, mais irrégulière. Ça ne veut rien dire. Regardez, ni boursouflure ni contusion, c'est ancien. Stigmate d'un accident du travail, peut-être. Bien. J'en sais assez, je crois. Veuillez m'éclairer, alors. Je n'y comprends rien du tout. Quel était le mobile de l'assassin ? Je suis sûr d'une chose. C'était un châtiment. Même les chasseurs de sorcières n'infligent pas pareille torture. Quel péché pourrait mériter ça? Seul notre assassin le sait. Et telle est la clé pour le ou la trouver. Je vais suivre cette piste. Savez-vous quel était son nom? Fabian Meyer. Oh putain. Et je suis Hubert Rick, médecin légiste. Je venais procéder à l'autopsie, mais je vois que tu l'as déjà fait, Joachim. Toujours à te mêler de ce qui ne te regarde pas, ce que je vois. Et attirer des ennuis aux autres. Qui est-ce ? Un étudiant, en formation continue. J'aurai quelques questions. Bien, je vous écoute. Mais faites vite, le révérend Nathaniel fait son inspection. Il sera ici sous peu. Le corps du menuisier, où a-t-il été trouvé ? C'est important. On mène son enquête ? Captivant. Il est mort à son atelier. Au sud de la place du marché, juste à côté de la porte des faubourgs. La même où on a agressé cette pauvre barbe. Toute la ville en parle. Pour en revenir au menuisier, c'est Eustache, le ramasseur de cadavres, qui nous a amené le corps. Vous devriez lui parler, je viens justement de le croiser. Oh, salutations, révérend. Qui sont ces gens? Je croyais avoir été clair, personne n'est autorisé à entrer ici pour quelque raison que ce soit. Je sais, mais... ce sont des amis du défunt. Ils sont venus recueillir le corps. Hors de question qu'ils sortent sur le champ. Entendu, révérend. Messieurs, veuillez me suivre et sortir par une autre issue. Pourquoi nous avoir couverts ? Pour assurer mes arrières. Et si le révérend apprend qu'on s'est introduit dans la morgue pour charcuter un corps sans sa permission, j'aurai de gros ennuis. Mais ça ne t'a pas effleuré, n'est-ce pas, Joachim ? D'habitude. Enfin, bien que je désapprouve ta désinvolture, je souhaite moi aussi voir cet assassin pendu. Si jamais j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Merci. Vous auriez pu me dire que vous connaissiez le légiste. Cela nous aurait évité les égouts. Le connaissant, c'est lui que j'évite, justement. Le sujet est clos. C'est moi qui décide quand un sujet est clos. Quel est le lien entre vous deux ? Si vous insistez, c'est de l'histoire ancienne. Le mouvement étudiant de 1242, ça vous dit quelque chose ? J'étais à sa tête. Hubert, lui, m'a dénoncé aux autorités. J'ai fini en prison. Voilà. Et maintenant, que comptez-vous faire ? Suivre les pistes. L'atelier du menuisier, le ramasseur de cadavres, l'allée où Priscilla a été agressée. J'ai du pain sur la planche. Moi aussi, à l'hôpital. Je dois y retourner. Mais je croiserai les doigts pour vous. Et moi, je vous tiens à l'œil.
Bon, est-ce qu'on en parle de la flèche qui était scotchée sur le mec ou... Regardez ces flèches là, vous les voyez, ils sont en train de voler là? Regardez devant l'écran là. On en parle de ces flèches qui étaient collées sur la main du mec? Joachim. Ils sont très bizarres, hein, je trouve, les deux. Mais c'est pourtant clair comme le feu éternel. Remonter l'odeur du sang et du boue. Ah oui, ça, je sais pas. Il faudrait que je la trouve parce que je sais pas du tout où elle est, cette quête. Du Gwint, on a déjà fait pas mal. Petite rousse, on va faire ça. À pied, à cheval. Non, c'est rien ça, mec. Le bug des flèches, c'est rigolo, c'est rien du tout. Sorceleur. Les villageois t'ont engagé? Vous allez devoir changer vos plans. Je ne vous laisserai pas brutaliser ces pauvres gens. Il n'y a que ce salopard de Bertram qui m'intéresse. Personne d'autre. Il est venu me trouver, Yassine. Il m'a proposé de trahir les siens en échange d'une part du butin, bien sûr. Au bout d'un moment, il est devenu gourmand. Et quand je l'ai envoyé paître, il a envoyé les chasseurs de sorcières sur moi. J'ai perdu la moitié de mes hommes à cause de lui. Alors te mêle pas de ça, sorceleur. C'est Bertram qu'on veut, personne d'autre. Tu as ma parole. Je ne m'opposerai pas à vous. Faites ce que vous avez à faire. Sage décision, sorceleur. Tu vois, c'était pas bien compliqué. Tiens, voilà pour toi. Allez les gars, on y va. Le bailli est sévère, vaut mieux pas faire de granouille à l'auberge. Tout à fait calme, moi aussi frère, je trouve que le jeu est très très bien fini pour un open world. Participer à la... Mais... Je veux comprendre. Bon. Oh non, me dis pas que ça a bugué. C'est saoulant, hein. Ça commence franchement à m'agacer au plus haut point. Ça commence vraiment à m'agacer là.
terrorisé et blessé, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Ouais, Watch Dogs violation encore frappé. Ça commence à devenir très 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 dérangeant. Sur chaque stream... Je pense que je le ferai le 15, ouais, Dark Ways. Encore une. À vos marques. 3, 1, 2. Non, mais c'est une blague ce qu'il a marqué Anthony là, les gars. Voilà pourquoi la PS4 est supérieure au PC. Non, mais t'es sérieux, mon gars, t'es un gros troll, toi. 3, partez. En avant. Mon frère, je sais pas dans quel monde tu vis, mais c'est dangereux. Tu te prends un coup de fistec, toi, non? Pas mal, mais ne nous emballons pas, la concurrence n'était guère féroce. Dois-je vous inscrire pour une autre course? J'aimerais courir de nouveau. Parfait. Le vicomte concourt incognito. Merci de faire preuve de discrétion. Salut Guevara, ça vaut quoi? Partez. Du nerf, Ablette. C'est chaud quand même, c'est un truc de ouf, comme c'est bugué, j'ai l'impression ce truc. Bon, la course elle est interminable. Bon. C'est pire qu'une course sur GTA le bordel. Les jeunes. Avis à la population. La finale de la course du souvenir Erasme Wegelbund est terminée. Le vainqueur est Gérald de Rive sur Hamlet. Gloire au vainqueur. Oh. Bravo. Salut Beaver, tranquille ou quoi? Vous avez gagné avec panache. Toujours en mode difficile, Beaver. On changera pas, mec, hein, depuis le début du jeu, je suis... Ouais, style, ça va, frérot. Je souhaite participer à une autre course. On y prend goût, à ce que je vois. Cette fois-ci, vous courrez face à Luc Wegelbund, cousin du jeune seigneur Albert, monté sur Succube. C'est la brebis galeuse de la famille. Mais il n'a pas perdu une course jusqu'ici. Aussi fait-il figure de champion local. Wesh, non, pas du tout, Anthony, c'est juste que ça m'a fait rire ce que t'as dit, gros.
1, 2, 3, partez. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Il fait 1, 2, 3, 3, partez. Genre il est bugué qu'il en peut plus lui aussi. Ah, je fais ma pute, je le bloque. Je vais tourner à droite. J'aime la trappe, vite fait. J'aimais bien avant que ça devienne commercial, quoi. Encore de là. Avis à la population. La finale de la course du souvenir Erasme Wegelbout est terminée. Le vainqueur est Gérald Fleury sur Hamlet. Y'a plus des gars, gros, dans les tribunes. Quelle course épatante. Bravo pour cette belle victoire. J'ai pas compris ta question, Razi, ressort à toi. Exposé avec la ménagerie d'un cirque. Voilà qui pourrait s'avérer profitable. Au moins, on aura fini ces missions, là. Gérald Rive, c'est bien ça? Que voulez-vous? Vous dire toute mon admiration pour cette belle victoire. Étonné, voici une invitation émanant du patron. Il tient à vous féliciter en personne. Au revoir. Ça va être encore une course. Les quêtes à cheval, c'est relou, mais il faut les faire, donc on les fait. Allez, U. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah ouais, 70 de vigueur? T'es pas sérieux? 70 de vigueur. Bon là, bien évidemment, je suis à 100, donc je vais laisser tel quel, mais le 70 de vigueur, il fait plaisir. C'est chiant, hein, honnêtement, c'est chiant comme mission, mais genre... Après, pour le cheval, c'est tarpé intéressant. Je peux cavaler, j'allais dire à l'infini. Ta vigueur est vraiment... C'est ouf. Là, ou pas. Ah, c'est la lettre. Ah, c'est surin. Oh, putain. Sérieux, ça va rendre ouf ces furins sur un. Bon, ok. Ah non, pas du tout, mec. C'est juste que je suis un fan incontesté de la série. Non, non, j'ai pas commencé à stream depuis la sortie du jeu. Ça fait 3 ans que je stream, gros. Mais il y a peu de gens qui savent que c'est la bannière du jeu. Après, en même temps, c'est tellement la hype en ce moment que tout le monde s'est renseigné, a vu un petit peu à droite à gauche ou quoi, mais... Non, non, je suis la licence depuis... Ça a été le premier let's play que j'ai fait sur ma chaîne il y a 3 ans, je crois. J'ai jamais compris en fait c'était quoi la musique commerciale. Ben quand tu vois qu'un son comme une instru comme la trappe à la base qui avait été faite par Lex Luger, je crois, si je dis pas de bêtises, l'un des premiers sons, je crois que c'était même BMF, l'un des premiers sons trap qui était sorti, c'était BMF
de Rick Ross, la prod par Lex Luger. Et quand tu vois qu'un son comme ça, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, 95% des Américains, ils utilisent pratiquement ben, ce style de musique, pour moi, c'est devenu quelque chose de commercial, quoi. Donc, tu vas écouter le dernier album... Ah, je peux lui dire ça, honnêtement. Kendrick Lamerde, même si, honnêtement, je suis vraiment pas fan de cet artiste, on peut lui reconnaître que sur son album, il a pas de trap. Et c'est cool pour lui. Si tu veux vraiment un bon album sans trap, je te conseille celui de Ludacris, le dernier qu'il a sorti, il est vraiment fat. Et après, si tu veux un rappeur français qui fait pas de trap aussi, hein, sans parler de Booba et tout ça, écoute, le dernier de Youssoupha, il est vraiment énorme. Donc voilà. Yop, salut Sweepy. Qu'est-ce que j'étais là ? Voilà. À un moment où quand tu commences à voir un son ou un truc comme ça qui commence à plaire, par exemple, le truc qui était à la hype ces deux dernières années, c'était les sons de David Guetta, c'est-à-dire électro-rap, un truc comme ça. Genre le son, en fait, le mec il a tout compris. Il fait passer un son électro-rap, comme ça même les rappeurs ils passent en boîte et tout, tu vois. Avant il y avait que des sons électroniques en boîte et tout. Maintenant ils te passent du Chris Brown en mode remix avec le mec ou je sais pas quoi, moi. Truc tout chelou, quoi. Salut Alas. Il est là, le petit surin. Merci pour l'invitation. Bravo à toi. Belle victoire chez les Vegelbud. Luke est un trou du cul fini, mais de mémoire, c'est bien la première fois qu'il perd. Vu la façon dont tu l'as distancé, t'as tes chances au palio. Ça, ça fait. Très bien, je vais participer. Voilà qui est parlé. Mais fais gaffe à pas me laisser tomber, je vais miser une petite fortune sur toi. Allez, va te préparer. Boire une camomille, enfin, ta piste d'un habituel. Le palio, c'est une... Question bête du jour. Qu'est-ce qu'une trappe, à part une porte sur le plancher? En fait, de la trappe, c'est pas une trappe, c'est de la trappe. La trappe, T-A-R-P, la trappe music. C'est un style de musique, en fait. Il y a de l'électro, il y a de la drum and bass, il y a du rap, il y a de la soul, il y a du funk. Et c'est un style de musique, un style d'instrument qui s'appelle la trap, tout simplement. Et Akhenaton, il fait du rap, point d'interrogation, je capte pas trop ce que c'est ce jeu. Oula, je sais pas si c'est un troll, Grisa. Il faut savoir qu'Akhenaton fait partie de juste l'un des plus gros groupes emblématiques qui existent en France, frère. C'est pratiquement lui avec NTM qui va lui amener le rap... Bon, il fait partie de IAM, donc je sais pas si c'est un troll ce que tu dis, mais si c'est un troll, c'est pas rigolo. Il y a aussi l'album de Nekfeu sans... Ouais, j'écoute pas ce genre de mec. C'est pas... Je suis pas trop rap français, en fait, j'écoute plus de rap français. J'ai côtoyé, j'ai travaillé avec des rappeurs français pendant longtemps, j'ai fait des instrus pour des rappeurs et tout ça, mais je suis plus dans ce milieu-là, j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Et honnêtement, le rap français m'a pas... me plaît pas plus que ça. Mis à part Youssoupha qui m'a vraiment donné envie de réécouter du rap. Avant tout, le vainqueur ne se contente pas d'une bête récompense. Il gagne aussi notre respect. Alors en position, et activez-vous le cul. En avant. Ah, fait du trap, ah non, pas du tout. Akhenaton fait pas de la trap. Du moins, j'ai pas écouté ses derniers sons, donc je peux pas te dire, mais... What the fuck, pourquoi s'arrêter? On a pas l'impression de tricher, lui? Mais pourquoi il s'arrête, mon cheval? Mais qu'est-ce qu'il a? Oh non. Mais what the fuck? Mais oui, lui il passe par... d'accord, ok. On en parle que le mec il est passé par où, je sais pas où. Pourquoi pas ça, enculé, hein.
Ah, c'est trop. Putain, pourquoi il s'arrête comme ça le cheval là? Oh, la pointe de tout ça craint. Gagner le palio, c'est pas de la tarte. Ah, mais c'est trop, frère. C'était bugué. Arrête, c'était bugué, frère, comme course. Foutre Dieu. Si je m'étais sculpté un jockey dans un tronc de bouleau et que j'avais pissé dessus gueule, pour l'attendrir, il aurait mieux couru que toi. C'est la vie. Ouais, tu peux le dire. Des fois, on traîne la vache, et des fois, on se prend un coup de sabot. La garde du temple, dispersez-vous! Je me tire de ce merdier. À ta place, je me ferai tout petit pendant un moment. Et lui, frère, je vais le découper, moi. Bon.